voyez sa main? Regardez très bien. Les gars, regardez maintenant ce qui va se passer. Non, Miguel. Gordon Parks. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ouais, j'ai un nouveau look, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important en fait, les gars, c'est ça. Cette vidéo-ci, c'est le plus important. En gros, la vidéo, c'est simple. On piège une meuf avec du concombre. En gros, elle va voir une gros kiki là. On va voir quelle sera sa réaction. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. La première chose que tu fais lorsque tu arrives sur la vidéo, c'est t'abonner d'abord. Les vidéos, je les traduis en français, ok? Donc, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas comprendre. Non, non, vous allez tout comprendre. Je vais tout vous traduire. Ok les gars, ici vous avez la meuf qui va se faire piéger, c'est elle. Et le mec qui vient derrière là en fait, c'est lui qui va piéger la meuf. Bon, le gars arrive, il fait comme si de rien n'était. Il n'approche pas encore la meuf, il fait comme si genre, il est dans une bibliothèque en fait. Il prend un livre, il regarde et tout, il va s'approcher de la meuf. Hey, excuse me. Hey, my bad if I interrupted you if you're reading. Hey, you know where nonfiction books are? Yeah, I think they're like over there. Ouais. En fait, le gars vient d'arriver, il demande à la meuf, en fait, je vais pas vous traduire mot à mot, mais il dit à la meuf qu'il cherche un livre, et du coup, il est en train de l'indiquer où se trouve le livre. Vous voyez ses yeux, les gars, ses yeux sont focalisés là-dessus, elle a vu, directement, elle est troublée. Like this road, or the road over there? Like, one, two, mm-hmm. on the side towards me. Oh, ok, ok. Ok, I appreciate it. Bon, là, elle a indiqué où est-ce qu'il peut trouver le livre. Parce qu'il a demandé où il cherchait un livre. Et elle a indiqué où est-ce qu'il peut trouver ce livre-là. Thank you. Elle dit waouh. Elle est dépassée. Thank you. She's looking good too. She's pretty. Bon là le gars va revenir encore. Alright, now it's time to ice on the cake. Hey, thank you for letting me know where it's located. I appreciate that. What's your name? Angie. Angie. Du coup, le gars revient, en fait, lui dit merci pour m'avoir indiqué pour le livre. Et du coup, il demande c'est quoi son nom. Elle dit qu'elle s'appelle Angie. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. It's gorgeous. How are you? What book are you reading? Le gars se présente aussi et dit heureux de la rencontrer. Il demande qu'elle est en train de lire quel livre, en fait. Vous voyez le regard de la meuf depuis. J'espère que vous voyez tout ça. Oh, man of truth. Oh, okay. I'm really into this author. Yeah. Ok. Les gars, vous voyez ça? Mais pourquoi est-ce que les femmes n'arrivent pas à résister? Pourquoi est-ce que lorsque vous voyez ça, les filles là, dites-moi en commentaire, pourquoi est-ce que lorsque vous voyez ça, vous ne parvenez pas à regarder ailleurs en fait? Est-ce que c'est comme ça avec toutes les filles ou bien il y a des exceptions? Dites-moi en commentaire. Yes. I have a nice book, you know what I'm saying? So I want to check it out and see, you know? En fait, là, il est en train de parler du livre. Il dit c'est un bon livre, tu vois. Il ne dit rien d'important. Il est juste en train de vouloir voir la réaction de la meuf. Et elle ne l'écoute carrément pas, en fait. Elle fait seulement comme ça. Elle secoue simplement la tête, mais ses yeux sont en bas sur son pantalon. Ses yeux sont sur son pantalon. Yeah, you might find them sit right here. You go? Go ahead. I appreciate that. Le gars demande en fait s'il peut s'asseoir. Elle dit ouais, va t'asseoir. Yeah, I thought I looked at the seat was out. Mm-hmm. How often do you be here? I come like once a month or every like 2 weeks or so. Just like it's really quiet in here. Yeah. So.
Du coup, en fait, le gars demande, ça fait combien de temps que tu viens ici? Elle dit, elle vient quelques fois, ça fait 2 semaines qu'elle a commencé à venir là, et c'est très calme, elle apprécie bien. Du coup, là, le gars demande qu'elle vient d'où? Elle dit qu'elle vient de Houston, en fait. Vous allez voir ce qui va se passer. Il s'est passé quelque chose dans cette vidéo où, carrément, carrément, j'ai mis les mains sur la tête. Vous allez voir, en fait, ce qu'elle va faire. Elle va faire un truc, là, en fait, regardez. Le gars dit en fait il vient là pour l'une de ses premières fois et il ne vient pas trop en fait parce qu'il est nouveau en fait il ne vient pas trop à la bibliothèque. Vous avez vu ça les gars? Vous avez vu ça? Si vous n'avez pas vu, rentrez un peu la vidéo. Bon, je vais le faire pour vous. On va rentrer de quelques secondes. Regardez ce qui se passe. Là, il parle. Il est en train de parler. Regardez la main de la fille, en fait. Regardez ce qu'elle fait. Regardez bien sa main. Vous voyez sa main? Regardez très bien. Les gars, regardez maintenant ce qui va se passer. Oh, Seigneur. Et voulait se rassurer qu'en fait, elle ne rêve pas. Et dit wow. So how can you read books? Directement, elle a chaud, les gars. Directement, elle a chaud. Les filles, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est la même réaction pour toutes les femmes ou bien il y a des cas spéciaux? Du coup, le gars demande en fait, c'est quoi? T'es nerveuse? Parce que je vois, tu as l'air chaude en fait. Elle dit non, il fait chaud ici en fait. Du coup, le gars dit un truc déjà, il n'y a pas de climatiseur ici. Elle dit non. Was it warm or you just got hot like this? Yeah, I just got hot. Yeah, when you stood right there. Oh, yeah? Do I make you nervous? I can move around if I no, make you nervous. No, you should stay. You sure? Yeah, you should stay. Are you sure? No, I'm sure. You should stay. Nah. Le gars dit, bon, écoute, si tu te sens gêné, je peux partir. Hein. Elle dit, non, tu peux rester. Il dit, je peux partir, tu es sûr? Elle dit, non, reste, reste en fait, reste. Le gars dit, pourquoi? Mais je peux partir. Elle dit, non, en fait, elle insiste qu'il faut qu'il reste. Si je suis making you nervous, you know what I'm saying, you can hide everything, I would walk away. I'm know? Just like, you know? Wondering, like, you leave the house like this every day? En fait, il dit, bon, moi, je peux partir si tu te sens gêné. Elle dit que non, c'est juste que, bon, écoute, en fait, tu sors comme ça de chez toi tous les jours. En fait, le gars demande, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit que, genre, avec un jogging gris, en fait, le jogging gris comme ça tous les jours. Elle ne veut pas dire directement ce qu'il y a. Hein? Elle veut pas aller direct, en fait. Elle dit, genre, avec un jogging gris. On sait de quoi elle parle. On sait déjà de quoi elle parle. Your wardrobe, like the gray sweatpants, you wear them all the time? Yeah. It's comfortable, you know? It's comfortable. Yeah, it's like my Le gars dit, ouais, le jogging, en fait, c'est confortable. Tu peux bouger comme tu veux, tu es à l'aise. On sait tout ce gars. Elle ne parle pas du jogging. Elle ne parle pas du jogging. Nah, I started saying that. How's your girlfriend that could call you Grace, but you not leaving the house? No. What? No. You sound like you're toxic a little bit. Toxic? Yeah. Why are you cutting my gray sweats? It's comfy. You see, I can do things like this, you know what I'm saying? Les gars, elle est tétanisée. Là-haut, elle est là. Elle est tétanisée. Le gars en train de dire non, voilà, en plus, il fait des mouvements. Elle est chaude. Là, elle dit, oh, Seigneur. Le gars parle, en fait. C'est genre, même, à la longue, ça devient gênant. Elle ne regarde même pas le gars. Elle ne regarde même pas son visage lorsqu'il parle. Elle est là, ses yeux sont en bas. Elle dit seulement, Bon, là, le gars est en train de demander son Instagram. A-N-G. Oh, slow down, say it again. A-N-G. Là, elle est en train de dire son Instagram, les gars. Elle a dit c'est A-N-G. Donc, vous pouvez juste écrire, regarder sur Instagram si vous voulez regarder son Instagram. Là, elle a dit point. M-I-N-G. Is it? Okay, gotcha. Yeah. How are you?
Ouais, là, le gars vient demander t'as quel âge? Elle dit elle a 23 ans. Three? How old are you? 25. Directement demande qu'il a quel âge lui? Il dit il a 25 ans. Yeah, this time 25, but it was like 2 weeks. Les gars, regardez comment elle caresse la bouteille là. Regardez comment elle caresse la bouteille là. Yeah. Yeah. Okay. August? Yeah. That's around the corner. Mm-hmm. What's wrong for your birthday? Not chilling. You chilling? Yeah. 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 So you got no man? No. Le gars dit, en fait, qu'est-ce que tu fais de ta journée? Elle dit non, elle perd juste le temps, en fait. Elle se détend juste. Et du coup, le gars demande sur le coup, est-ce que t'as un copain? Elle dit non. Direct, hein? Non, elle n'a pas de gars. No, man. So you're going to be time for your birthday by yourself and only? Mm-hmm. Yeah. En fait, tout à l'heure, il disait, tu gères ton anniversaire comment, en fait, genre, il disait, et fais rien d'important pour ton anniversaire et tout. Et il dit donc, tu fais ton anniversaire toute seule, voilà. Elle dit ouais, ouais. En fait, elle n'est même pas focalisée sur ce qu'il dit. Je crois même pas qu'elle est en train de l'écouter. Je pense que elle est traumatisée parce qu'elle est en train de voir. Mais pas traumatisée, mais déjà l'excitation extrême, quoi. Waouh. Elle dit waouh. Elle reste là, elle dit oh. I'm just faster. Why you keep saying like you like getting sad, try to like getting like distracted or something? I'm talking to you like you got quiet and stuff like that. I mean, if I, like I said, if you don't mind talking to you, I'll just walk away. It's just like the first time I like talked to someone in the library. Yeah. So I'm just adjusting this. Yeah. Le gars demande en fait pourquoi tu te sens si gêné, tu as chaud, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Tu te sens gêné de ma présence? Elle dit non, en fait le truc c'est que c'est la première fois pour elle de parler avec quelqu'un dans la bibliothèque, c'est la première fois pour elle de parler avec quelqu'un dans la bibliothèque. Et du coup, c'est pour ça elle essaie d'assimiler. Les gars, on sait que c'est pas ça. On sait que ce n'est pas ça. Ok, on sait, on connaît. Okay. Am I making use of it? You might use it a little bit, but I can deal with it, you know what I'm saying? Because I say, if I feel like I'm like, you know what I'm saying, making you nervous, you know? Elle dit, j'ai les nerveuses et tout. Elle dit, ouais, un peu, en fait, ça se voit, c'est comme si je te dérangeais. Vous voyez le regard de la fille depuis, les gars? I'll be right here, you feel me? But, so you say you do like often, like, you know, what time she's at? Quiet time. Like you still in this area or are you? Kind of. I'm like 20 minutes from here. 20? Oh, okay. Voilà, du coup, le gars demandait si elle vit loin d'ici. Si elle vit loin de là. Elle dit non, elle est à environ 20 minutes à pied. Do you play around here? Yeah, I'm like about like 10, 15. Du coup, elle aussi elle demande qu'il est près de là. Qu'il vit près, en fait, de la bibliothèque. Il dit il est à 10 à 15 minutes. Like midtown area, you know. So yeah, I ain't too far from here. Mm. And also, what's your plans for today? The rest of the day? Yeah. I was just gonna read and like, chill for a minute. I think we should, like, you know what I'm saying, link up more often, you know what I'm saying, and come here and read books together. Yeah, we could like read books here, maybe down for like somewhere else. Le gars dit en fait que qu'est-ce que tu as prévu pour le reste de la journée, bien qu'est-ce que tu fais régulièrement souvent. Elle dit pas grand-chose, pas vraiment. Le gars dit bon, ok, on pourrait de temps à autre venir ici lire des livres ensemble. Elle dit ouais, bien sûr, on pourrait venir lire des livres ici ensemble, mais on pourrait aussi aller ailleurs. Elle propose qu'il pourrait aussi aller ailleurs pour lire des livres, les gars. Donc il laisse la bibliothèque pour aller ailleurs. Vous savez ce qu'il y a ailleurs, n'est-ce pas? It's not like a quiet spot, like we got really quiet, that'd be quiet. So, you know a quiet spot. En fait, du coup, le gars dit, quand il dit ailleurs, de quoi, à quoi tu penses en fait? Un endroit calme et tout. À quoi tu penses? Any spots that's like quiet like this? Les gars, là où elle est là, elle est chaude, grave. Elle est chaude, grave. This bitch, yeah, super hard like that. You gotta be careful because you don't want to like cut your lip the way you bit it. You could almost. Le gars dit en fait t'es super chaude, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, laisse. Il dit parce que en fait tu te mords la lèvre, tu fais des trucs, qu'est-ce qu'il y a? Yeah, yeah, that. Okay. But, Oh yeah. Okay. Elle dit non, c'est juste la chaleur, c'est juste la journée en fait, ça va. Le gars dit ok. Oh yeah, my spot. No, down for that. It's like a like nice little area. Like I stay in like in a condo. So they got like a little nice little conference area that you can read at. Okay. So on your phone, man, we can be right there. Yeah. Or I'll read inside my house. It's your choice. Yeah, we can. Which one you think? The conference area or you want to read inside my house?
Du coup, en fait, le gars lui propose qu'on pourrait se voir dans un cafétéria ou un truc calme, un endroit calme ailleurs, ou peut-être chez moi. Chez moi, c'est bien mieux qu'ailleurs. Elle dit, ouais, pas de souci, en fait, pas de souci. En fait, il propose, il dit, tu préfères qu'elle. Du coup, en fait, elle dit, bah, tu sais, tu peux décider, hein, tu peux décider, en fait. Donc, elle rencontre un mec pour la première fois. Il lui propose, en fait, elle lui propose qu'ils aillent lire ailleurs qu'à la bibliothèque. Et elle lui dit qu'il peut choisir où ils peuvent aller. Les gars, dites-moi, vous connaissez déjà quelles sont les intentions de la meuf? Vous voyez déjà quelles sont ses intentions? Le gars dit, bon, chez moi, en fait. Le gars dit, bon, on peut aller chez moi et tout, c'est mieux. Elle dit, ok, c'est ce qu'elle voulait de toutes les façons. Le gars dit, laisse-moi voir ton numéro. Est-ce que ça te va que tu me donnes ton numéro? Elle dit, ouais, en fait. Elle est d'accord. Les gars, en fait, il dit, bon, moi, je vais pas trop te déranger parce que tu es en train de lire et je vais pas trop t'importuner. Elle dit, ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave, mais j'espère, on va se revoir bientôt, n'est-ce pas? Elle veut le revoir, vite fait. Le gars dit, ouais, bien sûr. Le gars dit, oui, on va se voir tranquille, t'en fais pas, heureux de t'avoir rencontré. Et lorsqu'il veut partir, il est en train de le fixer en bas. Le gars dit, mais qu'est-ce que tu regardes, en fait? Le gars dit, mon regard, c'est ici, qu'est-ce que tu regardes en bas? Le gars dit, en fait, elle répond que elle a été discrète, en fait. Le gars dit, qu'est-ce qui t'a discret? Qu'est-ce qui t'a discret? Il y a quoi? Dis-moi. Elle fait comme ça, genre, mais elle se regarde. Le gars dit, oh non, c'est ça que tu regardes. Après, il dit, oh non, t'es pas sérieuse. En fait, le gars dit, c'est ça que tu regardes depuis. En fait, le gars dit, je suis désolé si ça te dérange et tout. Elle dit, non, ça va, t'inquiète, ça va, voilà. Et après, elle dit, elle n'a jamais vu ça. C'est la toute première fois qu'elle voit un kiki aussi gros. Le gars dit aussi, c'est sa première fois qu'on fait lui parler de ça, qu'une personne est fixée, en fait, sur ça, comme ça. You down with that? Maybe. Maybe. You scared? Maybe you scared? Du coup, en fait, le gars lui a demandé, est-ce qu'elle voudrait toucher ou essayer un truc du genre? Genre, vous comprenez, en fait, le sens. Il n'y a pas le mot exact en français, mais il lui dit, est-ce que ça t'intéresse d'avoir accès? Elle dit, peut-être. Well, dude, I have fun with it, you know? You think I do with it, you know? Let me fix. Les gars, ça se voit qu'elle a envie grave, grave, grave. Voilà, le gars dit, bah voilà, j'ai eu ton numéro, donc on va se revoir, ok? On va se revoir et tout. Il dit, oh ouais, d'accord. Elle dit, waouh, je suis dans sa tête là, elle est en train de dire, waouh, 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 elle a rencontré quelque chose. Du coup, les gars, dites-le moi en commentaire, ok? Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire, laissez un maximum de commentaires, les gars. Et surtout, allez regarder ma prochaine vidéo ici, c'est là. La prochaine vidéo, elle est là. Regardez cette prochaine vidéo et dites-moi en commentaire, les gars, si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi si vous aimez mon nouveau look. Ouais, c'est pas mal, dites-le moi. Et abonne-toi, c'est très important, j'ai failli oublier. Abonne-toi, il faut t'abonner à la chaîne. Abonne-toi, tu laisses un pouce bleu, c'est quelque part là. C'est quelque part là, il faut t'abonner. Laisse un pouce bleu, c'est très important. Ciao.